On en parlait dès la semaine dernière. Le comité d'experts mandaté par l'Agence du médicament sur le cannabis thérapeutique rend officiellement son avis aujourd'hui. Il préconise une expérimentation très encadrée qui pourrait débuter en début d'année prochaine. Le cannabis ne sera pas fumé, mais bu ou inhalé. Dans un premier temps, il faudra importer. Il n'est pas officiellement prévu à ce stade de lancer de production, mais certains sont déjà prêts dans la Creuse. Des agriculteurs rêvent de ce nouveau marché. C'est le choix de la rédaction d'RMC, signé Joao Alencar et Marie Monnier. Direction le plateau des 1000 vaches, c'est ici que Joanie Chatou élève des brebis, des porcs et des vaches depuis une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, l'agriculteur mise sur une nouvelle filière. Ben donc ici, c'est l'implantation des futures serres de production de cannabis médical. Un hectare de cannabis pourrait rapporter entre 30 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alors Joanie Chatou a pensé son projet de A à Z, de la production à la collecte. Donc il est prévu une surface de 3000 m², dont 2000 m² de zone de production. Et 1000 m² où il y aura des salles de bouturage, le séchoir, les zones de préparation. En attendant le feu vert de l'État, il peut s'appuyer sur le soutien de Julien. Cet étudiant en agriculture biologique ouvre la porte d'un conteneur sombre aménagé spécialement pour y tester des dizaines de variétés de chanvre. Donc de monter des serres, ça nous permettrait de cultiver toute l'année dans des bonnes conditions. Si on arrive à avoir ça en Creuse, ça nous permettra d'avoir des emplois et refaire revenir des gens dans notre campagne. Aujourd'hui, la Creuse est l'un des départements les moins peuplés de France.